Bon. Essayons de reprendre. Alors, comme je vous disais, j'étais en retard ce matin-là. Il fallait que je me remette dans le bain. J'avais perdu mon ancien travail à cause du confinement. Heureusement, je m'étais trouvé cet entretien dans une autre entreprise. Elsa me regarde toujours partir au travail. J'ai l'habitude. Le matin avec elle, c'est comme un rituel. Elle me connaît tellement par cœur. C'est presque terrifiant parfois. T'es en retard. Oui, je sais, oui. Tu sais, mais t'es en retard. Ta sacoche. Tes clés. C'est un peu comme une manière de me surveiller. Rien d'effrayant, hein. Ah. Juste, elle montre son affection comme ça. T'oublies rien. Voilà où j'en étais. N'importe quel mari aurait fait semblant de ne pas avoir oublié et aurait offert un dîner aux chandelles le soir même. Et ces maris-là, ils n'ont pas Elsa comme épouse. Je parle anglais quand je suis nerveux. Happy birthday to you. Oui, je sais, je suis un bon à rien. Tu ruines mon anniversaire, ma journée, ma vie. Et tu penses t'en tirer aussi facilement ? Mon tissu. Je sais pas comment j'ai pu te faire une chose pareille. Je suis désolé. Dis-moi comment je peux me faire pardonner. Tu pourrais commencer par ramasser tes plantes. Et ensuite ramener du fric à la maison, mais ça... D'ailleurs, t'avais pas un entretien ? Une chose. T'avais une chose à faire, mais même pas. Ça m'étonnerait qu'il t'accepte avec tout ton tas, hein.
Vous devez affronter vos peurs. Ne subissez plus les affronts d'autrui. Il est préférable d'être seul que mal accompagné. Ne laissez personne voler votre joie. Si vous permettez aux mots de vous contrôler, vous permettez aux autres de vous contrôler. N'accordez jamais ce pouvoir. Vous n'êtes pas une victime. Pantin, bon à rien, quignol, débile, crétin, lâche, loser. Laisse-moi deviner. T'as loupé ton rendez-vous ? Qu'est-ce que tu fous ? Tu t'es remis à cloper ? Tais-toi ! Écoute-moi bien, Lézard. Soit tu te la fermes, soit je sangle le tapis de ta mère. T'oserais pas. Putain, ce que je déteste cet appart. Ah, je le déteste. Tu te rends compte des goûts de merde que t'as ? Ce que tu m'infliges depuis des années ? Et puis, non mais regarde-moi ça. Là, c'est quoi ça ? C'est quoi ? J'ai l'impression de vivre dans une maison de poupée ! Oh, c'est fini tout ça. C'est fini. Fini, Bécassine, là, fini les petites fleurs, les cains, les coins-coins, les vases moches, et puis tes tuniques roses, là. C'est fini tout ça. C'est fini. C'est fini. Non, 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 non. Je te quitte. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, je te quitte. Non. Je te quitte. Je te quitte. Salut les pompiers! Salut les canards! Salut les foulards! Ah, ah, ah non! Ah non, ça sera pas! Non! Ah non! Oui. À ce moment-là dans votre tête. Rien. J'ai l'esprit vide. Je suis heureux. Je suis libre. J'ai enfin réglé son compte à cette mégère là. À cette araignée là, cette sale méduse. Marc ? Marc ? Vous m'entendez ? Marc ? Ah, Marc ! Ben, vous nous avez fait peur. Vous avez subi un gros choc. Et vous avez perdu connaissance. Mais vous pouvez remercier votre femme, elle est formidable. D'ailleurs, c'est elle qui vous a sauvé la vie. T'inquiète pas, mon chouchou. Tu vas pouvoir venir te faire une bonne santé à la maison. Thank you.
Thank you.